Hey, salut tout le monde, ça c'est les ponts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur GTA 5 Online pour acheter et tester avec vous des classes Trogger, c'est une nouvelle voiture tout terrain. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire, je vous invite de regarder jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis toi qui passe par là, qui n'est pas encore abonné à cette chaîne, si mes contenus t'a plu, je t'invite à t'abonner. Et d'appuyer sur la petite cloche de la notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Et bon visionnage! Sans plus attendre, on va tout de suite aller sur mon téléphone, hein, aller consulter Internet. Du coup, je vais aller sur Voyage et Transport. Ensuite, South San Andreas. Normalement, c'est dans la une. Donc, je ne me suis pas trompé. Donc, il y a deux prix, hein. Évidemment, il faut faire la mission pour avoir moins cher, mais comme sur un pigeon, je vais acheter sans passer par les missions. Est-ce que je suis obligé de choisir les couleurs avant d'acheter? Ouais, je pense que je suis obligé. Bon, je vais choisir couleur rouge et non, je vais prendre le bleu. Par contre, il n'y a pas de bleu ciel, c'est dommage. Hop, ici, il y a la clé. Voilà, vous voyez, il y a la clé. Donc, je ne peux pas acheter moins cher. Je suis obligé d'acheter à 2 millions de dollars. Allez, c'est parti. Je vais mettre où? Je vais mettre dans le garage, au hasard. Hein. Garage de la reine, tiens, allez. Hop. Voilà. Moins de 1 million 870 000. La livraison de votre cadogure sera prochainement effectuée. Ok, bon, comme d'habitude, hein, c'est la procédure. Il faut attendre un petit peu. Ça y est, je l'ai enfin. Nous confirmons la livraison de votre drogure à votre atelier de la reine. C'est bon, je vais pouvoir enfin appeler Mécano pour la voir. Ça y est, elle est enfin là. Donc du coup, hein, je choisis en côté bleu, c'est ma couleur préférée. C'est moins classe en rouge. De toute façon, la rouge, est, enfin les sangles rouges, est toujours là. Oh, le moteur de malade! Oh là 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 là! Écoutez, j'espère que vous entendez le moteur. Ah ouais! Allez, je vais tester la vitesse montante. Ah, vitesse, ça va, ça monte. Il n'y a aucune difficulté pour monter, hein. Et ça fait vraiment plaisir. On est que je roule sur une voiture classique, enfin, du moins, une voiture de course. Là, il n'y a pas de difficulté, pourtant, j'ai pas customé la voiture, hein. Hop, le freinage, ouais, ça va, freinage, tranquille. Ça va, tranquille, et le bruit, vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant. Je vais tester en hauteur, voir ce que ça vaut. Ah, ça monte, hein. Ça fait pas de dérapage. Ouh. Ah, ça prend bien la ligne de la colline. Ah, là, par contre, c'est inévitable. Ah, ça recule bien. Là, je fais vraiment les situations extrêmes, hein, pour voir vraiment si la voiture, enfin si le 4x4 ça tient. Je vais me faire monter en piqué. Waouh! J'ai une idée, tiens. Mon idée, c'est que je tape dans un mur pour voir la résistance de parachoc. Ouais, quoique là, rachat qu'elle est déjà vachement amochée d'après ce que j'ai vu. Attendez, je vais taper là-dedans. Hop là! Ça tient encore par choc, hein. Je vais taper dessus. Allez, sur le cas de la poubelle. Oh, ça tient, hein. Vraiment, ça tient. Pourtant, il était déjà à moitié cassé. Je vous rappelle que là, la voiture. Ah, mais ben enfin! C'est au bout du troisième choc que le parachoc est parti, enfin, du moins plus, hein, parce que tout à l'heure j'ai tapé le rocher avec, mais ça fume pas encore. Oh, le capot qui va avec aussi.
Ah, par contre, le capot, ouais, ça tient pas très longtemps. Dès que le parachute qui part. Ouais, ok, bon. Elle n'est pas customée, hein, donc du coup, elle est le moins résistant. Hop, je descends. Ouais, ben, l'aspect, moi j'aime bien, hein, les contours et tout ça, je kiffe. Le cas niveau cadran, c'est vraiment très très bien. Voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis toi qui passes par là, qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao!